Salut, j'espère que tu vas bien. On va regarder comment ajouter du style à tes sous-titres. On va regarder comment changer la couleur du texte, comment ajouter une couleur autour du texte, comment mettre une couleur derrière le texte et surtout changer la typo. Sur YouTube ou sur Facebook, par exemple, on ne peut pas changer le style des sous-titres. Par contre, on peut intégrer les sous-titres dans la vidéo pour choisir notre style. Pour faire ça, on va utiliser Captée. C'est une application qui est facile, simple et rapide à utiliser. Je vous montre tout de suite dans l'écran comment ça se passe. Alors, je vais direct dans l'onglet sous-titres. Ok, là c'est basique et blanc. Moi, je veux un truc beaucoup plus punchy. Là, j'ai des propositions, mais ici, je veux un truc qui me représente vraiment. Donc, c'est parti. Je choisis une couleur de texte. Je mets blanc, un fond mauve. Yes, ça me convient bien. Je vais changer la typo. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça j'aime bien. On va mettre ça. Ok, pas mal. Bon, je trouve que mes sous-titres sont encore un petit peu petits et peut-être un peu bas. Je change la position ici et là je les grossis. C'est parfait. Du coup, j'enregistre mon thème, nommé thème branding, et comme ça, il est prêt pour la prochaine fois. Ça y est, j'ai ajouté du style à mes sous-titres. Maintenant, il n'y a plus qu'à exporter la vidéo et la télécharger. Facile. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et moi, je te dis à bientôt.